Au Cameroun, les journées du 28 et du 29 juillet 2017 ont été déclarées journées de deuil national, décision prise par le chef de l'État Paul Biya en mémoire aux victimes du bateau Mundemba. Même dans les coins les plus insoupçonnés du pays, cette décision du chef suprême des armées a été respectée. C'est le cas ici, à la chefferie du quartier Lombé Mission, village Ndokpassi 2. Concernant les deux jours de deuil, nous avons accueilli le décret du chef de l'État avec favorable, avis favorable. De ce fait, vous savez que ces jeunes qu'on décrète en leur mémoire sont morts pour la nation et on devait les respecter. Alors dès qu'on a décrété les deux jours de deuil, qu'est-ce que j'ai fait immédiatement? J'ai appelé mes chefs de bloc. Le matin d'hier, nous sommes regroupés ici et nous avons mis le drapeau en berne. Tous, pour qu'on soit conscients du fait. Pareil constat à la chefferie du canton Bassa. Il s'agit d'un deuil national et c'est pour ça que le chef de l'État a décrété deux journées de deuil national. Donc nous allons transmettre également cette tristesse à nos populations. Nous vivons ça ensemble. Devant les établissements scolaires, les drapeaux sont restés en berne. Les plus jeunes ont reçu le message présidentiel. Ça nous permet non seulement, nous qui sommes dans le bas peuple, de nous intéresser et de participer aux douleurs des familles éprouvées, de certaines familles, des familles, des victimes mortes dans cet accident. Vraiment, c'est une grande nouveauté pour nous et cela nous touche vraiment. Ça nous voit droit au cœur. Et j'exhorte vraiment tous les Camerounais aussi à en faire autant. Ce samedi, deuxième jour de deuil national, les entreprises publiques et les institutions ont gardé le drapeau bas sur le mât. Oui, justement, même le deuil, les enfants, les jeunes qui ne sont pas dans l'armée, doivent prendre ce deuil comme leur propre deuil. Parce que ces enfants sont morts pour nous. La République du Cameroun est en deuil. Cela s'est ressenti dans la capitale économique.